Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Parking Tycoon Business Simulator. Alors juste pour vous souhaiter un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes, profitez de vos proches, buvez mais avec modération, parce que bon, on sait c'est tous les problèmes avec les problèmes de l'alcool, hein, comment on peut être. Alors du coup, cette vidéo-là, elle sera pas hyper longue, elle sera juste courte parce que je vais juste vous présenter un truc. Il y a eu la dernière mise à jour du coup de ce jeu, enfin la dernière je pense pas, en tout cas une bonne le sous-sol, il y a eu le sous-sol aujourd'hui dans cette mise à jour là. Alors on avait vu le parking en lui-même, donc tout a été, alors pas complètement installé, par contre il y a les genres de paravents là, il y en a uniquement dans le parking principal. Le parking du dessus, j'ai juste mis au préalable, suite à la dernière vidéo, les marquages au sol et les fins de stationnement là, les bordures. Par contre le reste j'ai pas mis parce que c'est tellement long à mettre en place. Puis je trouve pas ça hyper beau de mettre des genres de pare-soleil là. Après ça peut être bien pour le dessus. Par contre pour le ici là, je trouve pas. En fait, faudrait peut-être que je les enlève tous. Mais pareil pour les enlever, ça va être marrant. C'est un bordel ici. Alors cette mise à jour là, du coup, elle. Attendez, je vais me faire écraser. Je vais faire le tour. J'aurais pu passer par le passage piéton. Et là, je vais juste vous montrer de base la finalité de ce jeu. C'est le souterrain. Le souterrain, du coup, les voitures, ils rentrent par là. Je sais pas s'il y en a qui arriveront par ici. Pour l'instant, non. Alors, pour l'instant, les places sont pas toutes prises. Parce que je pense que... Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Cool. Allez, descend. Parfait. Je vais te suivre. Après, alors, voilà. Je m'embrouille un peu parce que je vais dire tellement de choses. Donc, voilà. Le souterrain a été fait. Pareil, les bordures. Les marqueurs ont été faits aussi. Les marquages au sol. J'ai mis aussi les lumières au cas où pour avoir dans le noir en cas de problème. Mais sinon, à part ça, c'est relativement bien d'améliorer un peu son parking. Le souci que pour moi personnellement qui manque, c'est le nombre de personnes qui travaillent, parce que là il y a les cleaners, donc il y a les nettoyeurs de sol, donc de poubelles, d'ordures et tout ça, et les agents de sécu, parce que le nombre de fois où j'ai des dégradations de graffiti, le souci c'est que imaginez que l'agent de sécu il soit ici là dans les sous-sols ou le dessus, le parking plein air, il peut pas être à deux endroits en même temps, c'est pas possible. Il peut pas être là et aussi à checker les graffitis, à moins que il faudrait qu'il fasse un truc qui check soit par les caméras ou qu'il y ait une sorte d'interaction avec les caméras qui puisse voir qui contrôle par là et qui ou après il pourrait par exemple, il y a lui qui est bloqué de temps en temps, et lui il est bloqué vraiment. Je sais pas ce qu'il fout. À moins qu'il n'y a plus rien par terre, mais je crois que c'est un de la sécu, je crois ça. Lui, je crois que c'est un de la sécu. Il y a lui qui nettoie. Après, ouais, comme j'avais dit, je pense 2, 3, ça suffirait bien, je pense. 2 par heure, ça pourrait être bien, parce que bon, je veux bien qu'on le fasse nous-mêmes, et au bout d'un moment, à part ramasser tout le temps à chaque fois la même chose. Ça peut être vite vite relou. Là pour l'instant ils font le taf. De temps en temps je donne un petit coup de main. Là j'ai juste avancé le hot dog pour être tranquille. Au moins pour que le mec qui nettoie, il soit pas obligé de faire des navettes pour. Forcément il a bougé lui. Ah non, c'est pas le même. Au moins à la base je l'avais mis ici. Le souci c'est que en le mettant ici. Le nombre de fois où le mec il devait faire des navettes, je pense que ça peut être bien relou.
Bon voilà, moi du coup je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous ai montré le sous-sol, le parking, plein air. Et du coup on se retrouve à la prochaine pour Alors pour l'instant il n'y aura pas de mise à jour, il n'y aura pas de vidéo sur ce jeu-là actuellement, à part cette vidéo-là qui va sortir. Par contre, j'attendrai les autres mises à jour qu'il y aura au fur et à mesure. Voilà. Ouais. Du coup, je vous souhaite encore un joyeux Noël et puis à bientôt. Pour certainement 2024. Hein. Après, je pense qu'il y aura des vidéos qui vont sortir là avant Noël, après Noël. Peut-être qu'il y aura un laps de temps de 3-4 jours pendant les périodes des fêtes. Et après, rebelote ben, en 2024, en janvier, ça va repartir de plus belle. Du coup, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo-là. Et je vous dis à la prochaine. Salut!